Bonjour les amis, merci infiniment d'être là. Bienvenue à cette capsule. Je suis Ernest Chakunte, pour ceux qui ne me connaissent pas, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières depuis 2005. Il faut le dire, étant acteur dans le domaine, pendant des années, j'ai exercé, je me suis rendu compte que j'étais seul sur le terrain. Lorsque j'allais sur des marchés, je voyais toujours des autres. Très rarement, j'étais en face de mes frères. J'ai décidé en 2016, comme ça, de mettre à votre disposition des formations sur le négoce des matières premières. C'est vous dire, les amis, j'ai vu des murs et des pas murs. Pendant toutes ces années, il a fallu que je forme des milliers et des milliers d'Africains qui font des choses extraordinaires à travers le monde. Je vous dirai entre autres que dans notre réseau, nous avons des négociants qui sont en train de faire des choses à travers le monde dans l'anonymat total. Parce qu'il faut savoir que le négoce des matières premières est un secteur d'activité qui demande beaucoup de discrétion. C'est la raison pour laquelle vous verrez très rarement faire trop de tapage. Nous parlons essentiellement des choses indispensables. Et toutes ces choses, nous le disons dans notre groupe privé de négociants. Parce qu'il faut le savoir, le négoce est une affaire de réseau. Une fois que nous avons formé des gens, tous nous les réunis se retrouvent dans notre groupe privé de négociants que nous avons créé. Et à partir de là, nous faisons des affaires. Il y a des fois, vous serez assis près des négociants de notre réseau, vous ne le saurez jamais. Parce que la discrétion fait partie de l'une de nos armes. Nous connaissons comment les gens d'en face fonctionnent. Nous savons comment ils opèrent. C'est pour cette raison que nous ne faisons pas trop de tapage, nous ne faisons pas trop de bruit. Je vous encourage à suivre la suite de cette vidéo parce que ce que je vous dirai est extrêmement important. Maintenant, si vous cherchez à aller un peu plus en profondeur, cliquez immédiatement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Alors les amis, retrouvons-nous pour la suite de la vidéo. Je suis extrêmement heureux de vous avoir, de savoir que vous appréciez ce que nous faisons. Voyez-vous, aujourd'hui, la capsule de ce jour est hyper éducative. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de vous asseoir confortablement parce que nous allons parler de l'économie internationale. Et je veux ici profiter pour répondre à la question d'un internaute du nom d'Aristide et Thibault qui m'a posé la question depuis la Côte d'Ivoire. La question paraît simple, mais elle est très profonde. C'est une question qui peut prendre toute une année de développement. Mais j'ai pris soin de condenser et vous donner des outils et des éléments extrêmement importants qui vous feront comprendre assez de choses dans l'économie mondiale. Donc, la question est celle-ci. Qu'est-ce qui explique le faible taux d'échange des produits, mais particulièrement des céréales? On sait, quand on sait que la production mondiale, selon les prévisions de la FAO, s'élèveront pour l'année 2023 à 2753 millions de tonnes. Alors que les échanges entre les États s'élèvent à seulement 472 millions de tonnes. Il y a deux questions qui sont les suivantes. Est-ce que la consommation locale de ces produits est si importante ou les échanges, ou est-ce qu'il y a un problème sur le marché ou bien un problème au niveau des écoulements de ces différents produits? Voilà essentiellement les deux questions. Mais dans cette vidéo, je vais répondre de façon linéaire. Je répondrai ces deux questions en un seul trait pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'on ne peut pas les dissocier. Il est important de savoir déjà que depuis le 11 juillet 2022, la population mondiale s'est élevée à 8 milliards d'habitants. Ceci dit que 8 milliards d'habitants veut dire plus de bouches à nourrir. Et on est en droit de se demander, mais comment se fait-il qu'on ait 2753 millions de tonnes et les échanges entre les hommes s'élèvent à seulement 472 millions de tonnes. Donc, il faut savoir d'emblée que, lorsqu'on parle de 2753 millions de tonnes, qui est la production mondiale, et 472 millions, on a un déficit de pratiquement 2281 millions de tonnes. Il est tout à fait logique de se poser la question, mais où vont ces 2281 millions de tonnes? Et dans cette vidéo, je prendrai le temps de mieux vous expliquer et vous comprendrez très bien. Il faut savoir que dans les populations, la consommation de céréales est extrêmement importante. Et avant de vous donner une réponse claire, il faut connaître que sur le marché, il existe
plusieurs types de céréales. On parle de l'orge, de l'avoine, le quinoa, le seigle, le sorgho, le maïs, le mil, le blé, le millet. Voilà quelques céréales que nous avons sur le marché international. Les céréales qui sont consommées dans notre population. Maintenant, il faut chercher à connaître, lorsque vous connaissez les différentes céréales qui existent, il faut chercher à savoir d'abord quels sont les plus grands pays producteurs de céréales. On a entre autres, la première en tête, on a la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Indonésie, la France. Voilà quelques États qui produisent le plus de céréales au monde. Derrière, pour mieux comprendre la chose, il faut savoir quels sont les plus grands pays producteurs de bétail dans le monde. Dans ce cas, je prendrai l'exemple uniquement du porc. Au monde, on a comme premier pays producteur de porc la Chine, il y a l'Union européenne, les États-Unis, le Brésil, la Russie et le Vietnam. Et il faut savoir que dans la consommation de céréales dans le monde, ça se divise en trois blocs. Parce que les 2753 millions de tonnes ne sont pas destinées uniquement aux humains. Voilà où réside la nuance. On a 54% de céréales qui est consommé par l'industrie animalière. L'élevage absorbe près de 54% de production mondiale de céréales. Derrière, la population mondiale ne consomme que 27% de céréales à travers le monde. En troisième lieu, on a le biocarburant qui consomme 18% de ce céréales. Donc, vous comprenez que la production de céréales dans le monde n'est pas destinée uniquement à l'alimentation humaine. Elle est destinée également pour les animaux et la transformation en biocarburant. J'espère que vous avez mieux compris l'importance et où va la grande partie de céréales produites dans le monde. Parce que je sais, nombreux sont ceux qui sont parfois face à ce genre de situation, ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on trouve qu'il y a beaucoup de blé ou bien beaucoup de céréales et dans une région du monde, les gens meurent de famine? C'est tout simplement parce que nous sommes sur un monde capitaliste, nous sommes dans un marché capitaliste. Et dans le monde capitaliste, tout ce qu'il faut faire, c'est de faire du profit. On fait du profit. Et le monde du négoce des matières premières, c'est le milieu par excellence pour penser typiquement profit. Parce que ce que les gens ignorent, c'est quoi? Dans le monde du négoce des matières premières, on ne pense pas trop à l'humain, on pense plus au profit. Plus de profit. C'est pour cette raison que c'est une activité que les gens qui les détenaient ou bien les gens qui étaient au courant de cela ont fait pris soin de nous cacher, de faire en sorte que nous ne soyons pas au courant de cette activité et on n'a pas ce temps à tourner en rond. Vous comprenez que si vous lancez par exemple le négoce des matières premières, essentiellement des céréales, vous avez un très gros marché. Vous allez à partir du jour commencer à rediriger votre marché, vous allez commencer à rediriger votre cible au lieu de vous concentrer dans le blé alimentaire ou bien le blé destiné à la consommation humaine. Vous avez de très gros marchés à côté de nous, des marchés parallèles qui demandent beaucoup plus. Parce que une chose est certaine, derrière la consommation animale, vous savez, l'éleveur ne peut pas laisser son bétail sans nourrir parce que s'il laisse, le bétail pourra mourir. Mais l'humain, nous ne sommes pas faits uniquement de pain. Nous ne sommes pas faits uniquement, nous ne consommons pas uniquement des céréales. Non, on consomme les fruits et les légumes. On consomme de la viande. On consomme du lait. On consomme beaucoup d'autres aliments. Donc vous comprenez que le marché de céréales destiné aux humains, c'est un marché trop restreint. 248 millions de tonnes, c'est insignifiant. Contrairement à 2753 millions de tonnes. Vous comprenez qu'on a plus à gagner en se dirigeant vers ce secteur qui est la biotechnologie et la consommation, la production animale. Donc les amis, j'espère qu'Aristide Etibou a eu le temps de comprendre, a bien compris la nuance. Nous restons disponibles. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et soyez indulgents. Vous pouvez bien imaginer que je n'ai pas toujours le temps. Vraiment, c'est beaucoup d'efforts que je fais. Sur mon emploi du temps, je dois beaucoup compresser les choses pour prendre le temps de vous faire ce genre de vidéos. Alors, en retour, ce que je vous demanderai, c'est ne que partager pour encourager les producteurs de contenu, partager, inviter vos amis, partager cette vidéo, que le plus grand nombre de personnes soient informées. Maintenant,
Il faut savoir que derrière cela, nous organisons parfois des formations dans le domaine des céréales, bien évidemment, où on vous explique tout ceci beaucoup plus en détail. Il est important de savoir que dans le monde, lorsqu'on parle de céréales, la population humaine consomme une très petite quantité. Dans l'alimentation des animaux, la production mondiale de soja du monde est transformée à 90% pour l'alimentation des animaux. C'est une chose extrêmement importante à savoir. Et lorsqu'on arrive au niveau de la viande, il faut savoir que pour faire 1 kg de viande, les animaux, on a besoin de consommer 10 kg de céréales. Donc chaque fois que vous mangez 1 kg de viande, sachez que l'animal a consommé 10 kg de céréales et que cet animal a consommé pratiquement 50 litres d'eau pour avoir 1 kg de viande. Et derrière cela, il est important de savoir que pour l'équivalent de 1 kg de viande, on peut produire à la même surface employée pour produire le 10 kg de céréales, on pouvait produire 160 kg de pommes de terre, 250 kg de tomates. Donc, allez comprendre la nécessité qu'il y a à pouvoir faire dans les céréales et la consommation des céréales. Et derrière, une chose extrêmement importante également à savoir que lorsqu'on parle de la production animale, l'alimentation des animaux, les poulets, le volaille consomment 46% des céréales produites dans le monde. Je veux dire, pour être plus clair, car les volailles consomment 46% de céréales destinées à l'alimentation des animaux. Vous comprenez la nécessité et vous comprenez pourquoi une grande partie de céréales vont vers l'industrie animalière. Sachez que dans la production du biocarburant, il y a la betterave, il y a la canne à sucre, il y a le blé, il y a le maïs, il y a la pomme de terre qui sont transformés en amidon et ensuite transformés en bioéthanol. Vous comprenez la nécessité et l'importance qu'il y a derrière ces différentes, pourquoi nos céréales sont envoyées beaucoup plus vers l'industrie technologique, si on va appeler ainsi, ou bien le biocarburant, ou vers l'industrie animalière. J'aime souvent le dire, en 2008, à travers le monde, les gens ont toujours cru qu'il y avait une crise de la faim. J'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'en 2008, il n'y a jamais eu la crise de la faim. Il y avait assez d'aliments pour tout le reste, pour le monde entier. Mais sauf que les traders, les négociants, à cette époque, ont préféré vendre l'alimentation. Ont préféré vendre les céréales aux éleveurs au lieu de vendre aux humains. Parce que les éleveurs achètent beaucoup plus cher, un peu plus élevé. C'est quelque chose d'extrêmement important que les gens ignorent pour cette crise de 2008. Si vous êtes négociant des matières premières, pendant que vous lancez sur le marché, ne ciblez pas le blé destiné à l'alimentation humaine. Parce que la majorité des gens font cette erreur. La majorité des négociants que je rencontre font cette erreur. Ils vont chercher à cibler le blé alimentaire. Non. Le marché du blé destiné ou bien le marché des céréales destiné à la production de l'énergie, il faut entendre par là les gaz également, ou l'alimentation des animaux, le marché est beaucoup plus grand que sur le cas des humains. Vous me direz, mais coach Ben, et les humains mangeront quoi? Je viens d'expliquer qu'il y a une partie destinée aux humains. Et si on arrête de nourrir le bétail, on n'aura plus de la viande sur la table. On a besoin de ces protéines animales pour nos différentes croissances et on en a besoin pour le quotidien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous lancez dans une production du négoce des matières premières, je vous recommande et je vous encourage de vous retourner plus. Si vous vous spécialisez dans les céréales, de regarder plus le côté animal et le côté biocarburant au lieu de se concentrer uniquement sur la production, la consommation humaine. Il faut savoir derrière que maintenant, il y a quelque chose d'extrêmement important à savoir. Si vous vous lancez dans le négoce des céréales, il faut savoir cibler son marché. Parce qu'ayant dit ceci, vous allez naturellement vous poser la question, mais je m'adresse chez qui? Sachez qu'en Afrique, les plus grands pays producteurs de bétail sont premièrement le Niger, le Sénégal, l'Ouganda, le Tchad et le Nigeria. Ça veut dire que vous vous lancez dans le négoce des céréales,
concentrez votre énergie à chercher des marchés vers ces pays qui produisent assez de bétail. Parce qu'on vient de dire que la consommation humaine est très faible. Sauf si vous ne voulez pas vous faire du blé, mais si vous voulez faire énormément d'argent, l'idéal serait de vous diriger vers ces pays qui produisent beaucoup de bétail parce que c'est le plus gros marché sur le plan international. Donc, entre autres, ce qui est important également à savoir, c'est que lorsque vous allez vous lancer dans la production du négoce des matières premières, essentiellement des céréales, voilà les éléments importants à savoir. Ça vous laisse comprendre qu'on ne se lève pas pour vous dire je suis négociant, sans chercher à comprendre l'économie internationale, comprendre la transformation de certains produits, à quoi sert tel produit. Est-ce que les céréales servent uniquement à la consommation humaine? Et pourquoi vous posez autant de questions? C'est naturel, il est de bonne guerre que vous puissiez vous poser des questions, mais attends, pourquoi on a 2753 millions de tonnes et les échanges entre les nations s'élèvent uniquement à 472 millions de tonnes? C'est des questions simples. Quand vous comprenez l'économie internationale, ça vous permet de mieux vous positionner sur ce marché. Dans les jours à venir, nous serons aux Seychelles dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial où on parlera du négoce des matières premières. Pour cela, si vous savez, vous voulez avoir toutes les informations concernant ce que nous faisons, je vous prie, je vous encourage à cliquer immédiatement dans le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Vous aurez toutes nos offres, vous aurez les articles que je mets régulièrement à la disposition de façon gratuite. Vous aurez des textes. Vous aurez beaucoup d'autres choses, des enseignements beaucoup plus pertinents que ce que vous venez d'avoir. Je vous dis encore merci d'avoir été là. Merci infiniment. Merci pour votre fidélité. Je vous tiens à cœur. Love you, love you, love you.